Alors on va continuer sur ce qu'on a fait ce matin sur les forces centrales et on va s'intéresser dans le cours d'aujourd'hui à un cas plus particulier de force centrale. On va s'intéresser au cas de la force gravitationnelle et le problème comme ça qui est de définir le mouvement d'une masse soumise au champ de gravité d'une autre, ça porte un nom, ça s'appelle le problème de Kepler et donc c'est aussi le titre de la section qui vient. Problème de Kepler. Donc je vous explicite l'énoncé de ce problème, c'est le suivant. On a ici une masse que je vais noter grand M. Donc attention, ici la notation est un petit peu différente de celle de ce matin. Je ne vais pas noter M1 et M2 les masses, mais grand M et petit m. Donc celle-ci se trouve au centre, à l'origine du référentiel que je vais choisir. Donc elle va être au point, ce que je vais appeler le point O. On a une masse petit m qui est ici et qui est soumise à l'action gravitationnelle de celle-ci. Et donc, elle est soumise à une force gravitationnelle qui est dirigée dans cette direction-là, qui est radiale, et dirigée vers la masse centrale. On va faire l'hypothèse, ici, dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, une hypothèse qui est simplificatrice, qui est que la masse qui est ici, la masse centrale, ne se déplace pas. On va supposer qu'elle est fixe. Ce n'est pas vrai en toute rigueur, et on verra plus tard, peut-être à la fin de ce cours ou sinon au début du prochain, on verra comment tenir compte du fait que cette masse-là, elle est aussi attirée par la masse petit m. Donc elle est forcément affectée par le mouvement de celle-ci autour de celle-là. Pour dire les choses de manière plus concrète, hein, si ça c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, le fait que la Terre ici ait un mouvement autour du Soleil, ça veut dire que le Soleil est attiré de temps en temps par là, de temps en temps par là, et lui il va aussi avoir un petit mouvement comme ça de rotation, il va avoir un mouvement, on va voir de quelle nature un peu plus tard, il a aussi un mouvement ici autour du centre, autour de l'origine du référentiel qu'on a choisi. Ça, pour l'instant, je ne le prends pas en compte. On a une masse qui est plaf, clouée quelque part dans l'espace en un point donné, elle ne bouge pas et elle attire la masse qui est ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de celle-ci. On va le faire en coordonnées polaires. Et alors, première simplification, mais celle-ci qui n'est pas une approximation, mais qui est vraiment quelque chose de rigoureux qui simplifie le problème, c'est de considérer la chose suivante. Imaginons que, à l'instant initial que je considère pour le problème qui est ici, j'ai cette masse ici qui est animée d'une vitesse V0 qui est dans cette direction-là. Étant donné cette vitesse ici, ce vecteur vitesse, et puis la position de la masse qui attire ici, il y a un seul plan qui contient à la fois le vecteur V0 et la masse M. Si je vous donne ici la direction, paf, un vecteur vitesse V0 qui est dans n'importe quelle direction, c'est ce stylo-là, et puis je prends un point O n'importe où dans l'espace, il y a un seul plan qui passe à la fois, qui contient ce vecteur-là et qui passe par O. Pour vous en convaincre, vous prenez tous les plans ici qui passent par ce vecteur-là, c'est ceux que je matérialise par ma main, là, comme ça, il y en a tout un tas. J'avais le point O qui est ici, vous prenez parmi ces plans-là, paf, celui-là qui intercepte aussi le point O, donc il y a un seul plan, effectivement, qui vérifie ces deux contraintes. Ça va être le plan du tableau. Donc le plan du tableau, c'est le plan qui contient le vecteur vitesse initiale et la masse M. Pourquoi ce plan nous intéresse particulièrement? Par des considérations de symétrie, il est clair que tout le mouvement va se faire dans ce même plan. La force ici étant centrale, étant contenue dans le plan, il n'y a aucune raison physique pour que la masse soit attirée plutôt vers l'avant du tableau ou plutôt vers l'arrière du tableau. Ça, vous l'avez peut-être un petit peu déjà vu. Si vous avez fait... Non, vous n'avez pas fait d'électrostatique encore, donc vous n'avez jamais vraiment étudié les considérations de symétrie. Vous verrez qu'il y a des domaines en physique où c'est vraiment... très important de considérer les symétries du problème et de voir que forcément les solutions d'un problème respectent les symétries de l'énoncé. Là, c'est un petit peu ça, hein. Vous avez des conditions initiales qui respectent une symétrie par rapport à un plan. Bah, du coup, la solution finale va aussi respecter ces symétries-là. Bref, donc par considération de symétrie, l'ensemble du mouvement va être contenu dans ce plan-là. Et donc, je vais, dans toute la suite de ce cours, m'intéresser uniquement à ce qui se passe dans ce plan-là. Et c'est dans ce plan que je vais adopter des coordonnées polaires, celles que j'ai introduites la dernière fois. Je vous rappelle qu'en coordonnées polaires, l'accélération du corps est donnée par cette expression-là. Je l'ai recopiée ici pour vous au tableau. La force gravitationnelle, je vous rappelle aussi qu'elle est donnée par F est égal à grand G, grand M sur fois petit m sur r carré fois ur, avec un signe moins parce que la force est dirigée vers l'origine du repère.
Et je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique. Je vais égaliser ça avec m fois l'accélération. Alors je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'était quasiment sous-entendu évident. La masse qui est ici n'est soumise qu'à une seule force. Hein. Elle est simplement attirée gravitationnellement par la grosse masse qui est ici. Il n'y a pas d'autres forces qui agissent là-dessus. Il n'y a pas de frottement en particulier, il n'y a pas d'autres forces. Donc quand j'applique la relation fondamentale de la dynamique, j'ai la masse fois l'accélération qui est ici, qui me dit que m fois r point point moins r theta point carré ur plus m fois 2r point theta point plus r theta seconde u theta est égal à moins g grand m petit m sur r2 fois ur. Et la première propriété remarquable, c'est que les masses petit m se simplifient ici, ce qui veut dire que la solution ne va pas dépendre de la masse de l'objet qui est ici. Ça, c'est une propriété que vous avez déjà rencontrée, ça s'appelle l'universalité de la chute libre. Tous les corps gravitent de la même manière. Vous lancez un éléphant et une souris dans des scaphandres, parce que vous êtes sympa quand même. Une souris dans un scaphandre, un éléphant dans un scaphandre dans l'espace, et vous les lancez avec la même vitesse dans la même direction autour du Soleil, ils vont décrire exactement les mêmes trajectoires. On va voir lesquelles tout à l'heure, mais là déjà, le fait que petit m se simplifie nous dit que c'est tous les corps lancés de la même manière vont ensuite décrire les mêmes trajectoires. Alors, ces équations-là, c'est des équations vectorielles, comme ce qu'on a fait la dernière fois. On voit qu'ici, on a un terme en UR et là aussi. Là, on a un terme en Uθ, le terme en Uθ est nul ici. Donc ça, on va le décomposer en deux équations. Celle sur UR nous dit que R point point moins Rθ point carré est égal à moins G grand M sur R2. Voilà. Et la deuxième, celle sur Uθ, nous dit que 2R point θ point plus r θ seconde est égal à 0. Donc voilà ce que nous disent les équations du mouvement en coordonnées polaires. Ce qu'on cherche, c'est déterminer la trajectoire. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait chercher. On pourrait chercher r en fonction du temps, θ en fonction du temps. On va voir, ça deviendra plus clair tout à l'heure, mais on va voir que, en fait, ce qui est facile à déterminer dans ce cas, c'est r en fonction de θ. On va obtenir vraiment la courbe, la trajectoire, la forme de la courbe que décrit la masse m ici au cours de son mouvement. Donc ce qu'on cherche ici, c'est des choses reliées à r, à θ. Vous voyez qu'il y a certains paramètres qui interviennent. J'ai la masse de ce qui est ici. Bon. Donc ce qu'on veut en gros, c'est résoudre ça dans un sens qui reste à préciser. C'est ce qu'on va faire dans le cours aujourd'hui. Alors je vais vous mettre en garde quand même que vous abordiez le cours d'aujourd'hui dans les bonnes dispositions. Ça va être assez calculatoire. Donc il va y avoir des étapes de calcul. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile, hein. Chacune des étapes, elles vont être, c'est comme ce qu'on a fait ce matin, voilà, c'est du calcul. Il y a des expressions qu'on a des fois à dériver, on a dérivé des produits, on a des choses comme ça à faire. Bon, des choses que vous savez faire. Ne vous inquiétez pas sur le fait que l'ensemble des étapes que je vais faire ici, vous les auriez probablement pas devinées tout seul. C'est pas ce qu'on vous demande. Effectivement, bon, là, ça, c'est des choses que j'ai apprises. C'est des choses que j'ai vues dans les bouquins que je sais faire parce que ça fait un bout de temps que je le fais aussi. Donc, je vais le raconter comme si c'était naturel, la suite de calcul. Elle l'est pas forcément, hein. Donc, votre objectif ici, c'est surtout de suivre ce qui se passe. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions s'il y a certaines étapes de calcul qui vous semblent obscures. Je peux vraiment y passer tout le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais ne vous inquiétez pas si vous vous dites, oh là, mais là, il est en train de faire un truc, j'y aurais jamais pensé, hein. C'est normal. Après, si vous y auriez pensé, c'est bien aussi, mais enfin, voilà. Bon. Ok. Je ferme cette parenthèse-là. On a deux équations ici. On va voir qu'elles nous disent des choses un petit peu différentes. Et en particulier la deuxième, là, je vais en donner tout de suite une interprétation. Une interprétation. En me servant de ce que j'ai fait la dernière fois, on a vu que le moment cinétique en coordonnées polaire s'écrivait de cette façon-là. L était égal à m r 2 θ point fois uz. Ça, c'est même une des dernières choses qu'on a écrites là, dans le cours précédent. Donc voilà, le moment cinétique par rapport à O du système s'écrit m r carré fois θ point. La seule force qui agit
ici, dans le cas qu'on est en train de considérer, c'est la force de gravitation. Elle est dirigée suivant le vecteur radial, donc le moment de cette force est nul. J'ai effacé le dessin pour le refaire tout de suite, c'est un peu idiot, mais bon, voilà. On a grand M qui est ici, la masse petit m qui est ici, on a R qui est comme ça, et on a la force gravitationnelle qui est là. R vectoriel F, ça fait 0, parce que ces vecteurs sont collinéaires, donc le moment de la force F est nul. Vous vous rappelez que la dérivée du moment cinétique ici par rapport au temps, c'est égal au moment des forces. Donc ici, je suis en train de vous dire que ça fait 0. Donc la dérivée de cette quantité-là par rapport au temps, dans le cas des forces centrales, dans toutes les forces centrales, hein, pas seulement la force gravitationnelle, ça va faire 0. Donc on a ici D de cette quantité-là par rapport au temps qui est égal à 0. Et ça, je vais dériver l'expression qui est ici de manière très similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. Ça donne M, un facteur de. Je dérive ça par rapport au temps, on a ce terme-là à dériver, ça fait 2m, m facteur de 2r, r point, θ point, plus, je dérive maintenant lui, ça fait r2, θ seconde, fois uz. Et ça doit faire 0, je vais même aller lui mettre son petit chapeau de flèche. Et du coup, si ça fait 0, je peux simplifier par m, je peux aussi simplifier par r, vous voyez qu'il y a un r ici, il y a un r carré qui est là. Et du coup, ça vous dit que la quantité qui est ici est nécessairement nulle. Or, qu'est-ce que c'est que cette quantité? Si vous regardez bien ce qui reste, il reste 2r point θ point plus r θ seconde. Et ça, du coup, ça doit être égal à 0. Donc, l'égalité qui est ici, on retrouve celle-là. En fait, la deuxième égalité qui est ici, on peut la retrouver avec la conservation du moment cinétique. Voilà. C'est ce que nous dit l'expression qui est ici. Le moment cinétique est conservé. Ça, je peux vous raconter cette histoire dans l'autre sens, c'est-à-dire, voilà, on sait que ça c'est nul, donc si j'intègre, je multiplie cette quantité-là par r ici et je l'intègre, ça donne cette quantité-là et ça vous dit que cette quantité-là est une constante. C'est une constante fois uz. Donc il est vraiment complètement équivalent de dire que cette quantité-là est nulle et de dire que la quantité R2 θ point est une constante. On va lui donner un nom d'ailleurs à cette constante, je vais l'appeler grand C. On verra à la fin de ce cours que ça s'appelle la constante des aires. Pas des aires comme avec les chameaux, des aires comme les surfaces, une aire, une surface. Donc ça c'est la constante des aires et donc on verra son interprétation tout à l'heure. Donc encore une fois, ça c'est équivalent à ça, et je vais m'appuyer à de nombreuses reprises dans ce cours sur cette propriété-là, parce que comme c'est une constante, ça permet de, des fois quand on a un θ qui nous embête dans une expression et qu'on veut remplacer par son expression en fonction de r, on a que θ point, c'est c sur r carré, et ça c'est une substitution que je vais faire à plusieurs reprises. Donc la définition de cette constante-là, je vais la réécrire ici pour l'avoir dans un coin. C est égal à r carré θ point. La constante des airs, et donc en particulier, c'est une constante au cours du mouvement. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit, mais je peux l'écrire ici, hein, ça c'est aussi donné du coup par L sur M. Si je divise le moment cinétique par M, ça donne la constante grand C. Ça c'est en quelque sorte le moment cinétique par unité de masse, si on veut. Ok. Du coup, si on regarde ce qui nous reste. J'ai deux équations qui est ici. Celle-là, elle est synthétisée par cette constante qui est là. Je vais l'enlever. J'ai cette équation-là à résoudre. Et c'est ça qui va nous intéresser à partir de maintenant. Et la parenthèse qui est ici, je m'en fiche. Ça, je vais le réécrire au-dessus. R point point. Moins R θ point carré est égal à moins G M sur R carré. Donc c'est ça qu'on veut résoudre. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais faire une étape, une succession d'étapes qui va peut-être pas vous sembler hyper naturelle, mais croyez-moi, ça mène au résultat qu'on veut de manière assez efficace en fait. La première chose, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà fait dans un cours précédent, c'est de transformer ça en une équation non pas du second ordre en temps, mais en premier ordre. Je voudrais une équation qui fasse intervenir simplement des dérivées premières.
Et ça, vous vous rappelez, quand on l'a fait déjà une fois au moins, on a multiplié ça par R point et puis on a intégré. Je vais le faire ici. Donc je multiplie ça par R point. On a ici trois termes. Si je veux faire la primitive de ça, normalement, ça, vous savez ce que ça fait, la primitive de ça. Je vous pose la question du coup. Quand on intègre r point fois r point point, quelle est la fonction qui, quand on la dérive, donne r point fois r point point? Personne voit? Ça, on l'a fait dans le premier cours. Hein. C'est 1 demi de r point carré. Si je dérive r point au carré, on a un produit, c'est r point fois r point. Donc ça, la dérivée, ça fait deux fois la dérivée de r point, c'est-à-dire r point point, fois la fonction elle-même, r point. Et donc si je ne veux pas avoir le 2 ici, je mets un 1 demi devant. Donc la dérivée de ça donne ça. Ça vous laisse sceptique, ça? Parce que vous n'y pensiez pas, ou même quand je vous le dis là, vous trouvez ça bizarre. Qui est-ce qui veut que j'essaye de passer encore 30 secondes sur ça? Je peux? Oui? Ok. Quand on a une fonction f au carré et qu'on veut la dériver, la dérivée d'une fonction f au carré, c'est 2 fois f prime fois f. Ça va? Du coup, j'applique ça à la fonction ici r point. La dérivée de r point carré, c'est 2 fois la dérivée de r point par rapport au temps, c'est des dérivées par rapport au temps que je fais ici, fois r point. Or, la dérivée de r point par rapport au temps, c'est quelque chose que j'ai noté depuis le début, r point point. R point point, ça veut dire précisément ça, ça veut dire dérivée 2 fois par rapport au temps. Donc là, la quantité qui est ici, ça c'est r point point. La dérivée de r point carré, ça donne 2r point point fois r point. Et donc si je mets un 1 demi devant tout ça, la dérivée de ça est égale à ça. Moins. Ça, c'est beaucoup plus difficile à intégrer parce on a trois fonctions, on a du θ, on a du r ici. Et alors du coup, je vais faire, avant de faire l'intégrale ici, c'est pour ça que j'hésitais un tout petit peu tout à l'heure avant de la faire, c'est que je vais transformer ce terme-là. Donc lui, gardez-le sous le coude. Ce que je viens de dire, ça sera encore vrai dans 30 secondes. Mais juste ce terme-là, je vais le transformer et je vais faire tout de suite ce que j'ai dit que je ferais, c'est-à-dire je vais enlever le θ point ici en le remplaçant par ça, puisque θ point carré, à partir de l'expression qui est ici, c'est c carré sur r à la puissance combien? 4. Poump, je le mets là-dedans. Ça me dit que r point point r, c2 sur r4, ça fait, avec le r qui est ici, ça fait un r cube, est égal à moins gm sur r2, r point. Je vais maintenant intégrer ça. Maintenant, là, c'est beaucoup plus facile, il n'y a plus de θ point. Donc ça, j'ai dit que la primitive, c'était 1 demi de r point carré. Quelle est la primitive de ça? Quelle est la fonction qui, quand on la dérive, donne r point c carré, c étant une constante, sur r cube? Quelle est la dérivée de 1 sur f carré? En fonction de f prime et puis d'autres trucs. F prime sur f cube? Avec un moins 2 devant, tout à fait. Comment est-ce qu'on s'en rappelle de ça? Moi, la façon dont je m'en rappelle, ça, c'est que c'est quelque chose de la forme f à la puissance n. Moi, je me rappelle que la dérivée de ça, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Bon, après, on se rappelle chacun de ces trucs. Moi, ça, je m'en rappelle. Je me rappelle que dérivée, ça met un n devant, ça sort f prime et ça diminue la puissance de 1. Et j'applique ça avec n est égal à moins 2. Ici, ça donne effectivement moins 2 f prime fois f à la puissance moins 3, c'est-à-dire ça. Bon, bref, en tout cas, la dérivée de ça donne ça. Et bah ici, vous reconnaissez effectivement, si f prime, je ne l'appelle pas f prime, mais je l'appelle dr sur dt, c'est le r point, ça c'est r cube, et vous voyez que du coup, moins r point sur r cube, la quantité qui est ici, ça c'est finalement la dérivée de c carré sur, sur r2, avec un coefficient, un coefficient devant qui vaut 1 demi. Autrement dit, quand vous dérivez ça, vous obtenez ça. Est égal à, et ça, quand on l'intègre, ça donne quoi?
C'est assez similaire à ça, hein. Ici on avait R point sur R cube, là on a R point sur R2. Qu'est-ce qui, quand on le dérive, donne à la fonction qui est là? GM sur. J'entends chuchoter, alors je sors ma super Ouïe bio-ionique. Sur R, 2, 3, R, tout court. Genre ça? Si? Si on dérive ça, ça donne effectivement ça. Tout à fait. Et le tout plus une constante, parce que quand j'intègre, il y a une constante d'intégration, une constante qu'on ne connaît pas. Cette expression-là, elle a une interprétation, puisque si je la multiplie par m, ça fait 1 demi de m r point carré, plus 1 demi de m, et le c carré, juste pour les besoins de la. De ce que je vais dire maintenant, le c carré, je vais le re-remplacer par r2 θ point. Donc ça fait ici r2 θ point carré moins gm fois petit m sur r est égal à une constante. Pourquoi est-ce que en multipliant par m comme ça donne quelque chose que vous connaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose, un terme de ce type-là? 1 demi de m r point carré. R point, ça ressemble à une vitesse. C'est ça. Donc ça ressemble à l'énergie cinétique, effectivement. Oui. Ben, si vous regardez l'expression de la vitesse qui est ici, si vous calculez 1 demi de mv carré, donc l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on trouve? En coordonnées polaires, l'énergie cinétique s'écrit comme 1 demi de m. Je veux ici v carré. Ben, v carré, du coup, on veut la norme au carré de v, ben, c'est ça au carré plus ça au carré, hein. Donc ça c'est Pythagore, hein. Donc ça au carré, ça fait r point carré, plus le carré du deuxième, r2 θ point carré. Voilà l'énergie cinétique. Bah oui, c'est le terme qui est ici. Ça, c'est l'énergie cinétique. Ça a un nom que vous connaissez peut-être aussi, sinon on le reverra plus tard, mais c'est l'énergie potentielle de gravitation. Ça, on y reviendra de toute façon assez longuement plus tard dans le cours. Et donc tout ça, c'est finalement l'énergie totale. Là, ce qu'on vient d'écrire, c'est la conservation de l'énergie totale. Voilà. En intégrant l'équation du mouvement, on arrive à une équation sur l'énergie. Alors, tout ça, l'idée, c'était d'en arriver à une équation sur R point. Donc, c'est l'équation du dessus. C'est celle-là que je vais encadrer. J'ai tenu à vous en présenter son interprétation en termes d'énergie cinétique, mais c'est sur celle-là quand même qu'on va travailler dans la suite. La masse, je la simplifie, et je n'ai pas encore spécifié ce que c'était cette constante. Ce qui nous intéresse ici, ça va être d'avoir. Alors attention, ce qui va nous intéresser ici, c'est de déterminer R en fonction de θ. C'est-à-dire, c'est la trajectoire. La trajectoire en coordonnées polaires. Or, ce que nous donne l'équation qui est ici, on a la dérivée de r par rapport au temps. On a r, voilà, et θ, il est pas, il était absorbé dans la constante c ici, on le voit plus. Et donc, il va falloir transformer cette équation ici différentielle sur le temps, c'est des dérivées par rapport au temps, en des choses qui font intervenir θ. Donc voilà la façon dont on fait ça. C'est ici le point un peu délicat auquel vous auriez probablement pas pensé. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire dr sur dt, c'est-à-dire le r point. Sous la forme suivante, je vais écrire r comme une fonction de θ, c'est ce que je cherche ici, et du coup ça s'écrit dr sur dθ fois dθ sur dt. Si vous voulez, j'écris r comme une fonction de θ qui elle-même dépend du temps, hein. Donc r dépend de θ et θ dépend du temps, et du coup si je calcule dr sur dt, j'ai à calculer la dérivée de θ par rapport au temps, et ensuite la dérivée de r par rapport à θ, c'est la dérivée des fonctions composées, ça. C'est exactement ce qui est fait ici. Ce qui, avec les notations d sur d, donne quelque chose de visuellement assez satisfaisant, puisqu'il suffit en quelque sorte d'introduire un dθ ici et un dθ ici. Et voilà, ça c'est la dérivée des fonctions composées. Et du coup, la grandeur qui va m'intéresser ici, c'est celle-là. Ça, du coup, c'est θ point. Hein. Donc ça s'écrit aussi θ point dr sur dθ. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer dans l'équation qui est ici r point par la grandeur qui est ici, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, c'est tout bête, hein. Je remplace vraiment r point carré ici. Dans r point carré ici, je remplace ça par l'égalité qui est là.
Ça me donne 1 demi de, c'est parti, θ point carré, fois dr sur dθ au carré, plus 1 demi de C2 sur R2, est égal à, allez, je vais mettre moins gm sur R, est égal à une constante. Bon, ouais, c'est pas si terrible que ça, hein, j'ai juste remplacé ce que j'ai dit que j'allais faire. Bon, et donc on tombe sur ça. J'ai besoin de la place en dessous. Je vais encore une fois m'affranchir du θ point ici en remplaçant θ point carré par C2 sur R4. Et donc ça fait C2 sur 2R à la puissance 4. Les deux, je vais les simplifier. Je le fais maintenant. Le 1,5, je l'enlève. Lui, j'enlève. Je mets un 2 ici et la constante, c'est deux fois la constante. C'est une autre constante. Je la laisse comme ça. Et donc on se retrouve avec C2 sur R4 fois dr sur dθ 2 plus C2 sur R2 moins 2gm sur R est égal à une constante. Et enfin, dernier pas un petit peu délicat, cette fois-ci c'est vraiment le dernier, on introduit une autre variable. Là, ce qu'on cherche, c'est R en fonction de θ. Cette équation telle qu'elle est là, elle n'est pas vraiment facile à résoudre. Je vais poser une variable intermédiaire, je vais poser U est égal à 1 sur R. Alors, je vais poser ici U égale 1 sur R et vous allez voir que dans la variable U, l'équation qu'on obtient, en fait, de façon surprenante, elle est vraiment simple. L'évolution de 1 sur R, elle est très simple. C'est comme ça. Du coup, ça veut dire que R est égal à 1 sur U et ça veut dire que dr sur dθ, eh ben c'est la dérivée de 1 sur u, c'est-à-dire moins 1 sur u carré, fois du sur dθ. Et je vais remplacer dans l'équation qui est là-bas, donc dr sur dθ, par tout ça. C'est parti. Et je vais en profiter aussi pour remplacer les r par des 1 sur u. Vous voyez que le 1 sur r4 ici, ça donne un u4. Ça fait c2 u4 fois, c'est parti, le carré de ce que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire 1 sur u4 fois du sur dθ au carré, plus C2 U2, moins 2GM fois U, est égal à une constante. Et l'air de rien, là, vous voyez pourquoi ça simplifie. Hein. Les U4 s'en vont, paf. Ici, tout ce qui était au dénominateur, qui était un peu pénible pour résoudre l'équation, ça vient au numérateur, on se doute que ça va être un petit peu plus simple. Donc il n'y a plus de U ici. Ici, c'est un U2, ici, c'est un U. Et là, on a encore une constante. Et donc, si je réécris ça proprement et en divisant tout par C carré, on obtient à la fin, je vais l'écrire ici, du sur dθ au carré plus U2 moins 2gm sur C carré fois U est égal à une constante. Voilà. Et ça, c'est une équation qu'on va savoir résoudre. Je vais effacer à partir de là. J'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière étape. Ok, j'ai menti, il y en a une toute petite. Toute petite. Oh non ! Eh bien, on va dériver ça par rapport à θ, un coup. Là, ça y est, il est fou, il est devenu fou. Il fait des trucs, on ne comprend rien, non. Honnêtement, non, hélas, dernier truc. En dérivant ça par rapport à θ, vous allez voir, ça va être nickel. J'ai un carré à dériver, comme tout à l'heure. Hein. La dérivée de f carré, c'est 2f' fois f. Ben, ça fait donc 2 fois f', c'est-à-dire d2u sur dθ2, fois du sur dθ, plus 2u fois du sur dθ, pardon, moins 2g grand m sur c carré fois du sur dθ est égal à, et la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et dans cette expression, vous voyez qu'on peut tout simplifier par 2. On peut surtout tout simplifier par du sur dθ qui apparaît à la fois là et à la fois là. Et ce qui reste, c'est la chose suivante, l'équation suivante, d2u sur dθ2 plus u est égal à g grand m sur c carré.
C'est des grands C depuis tout à l'heure. Si on avait le droit, on ferait un trou normand là dans le calcul. C'est le moment où on est un peu gavé, on veut. Voilà. Mais on n'a pas le droit. Je vous laisse quand même admirer l'équation encadrée. Ça, c'est une équation que vous savez résoudre depuis longtemps. C'est une des premières que vous avez appris à résoudre. C'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sur U. En plus, les coefficients, c'est 1 et 1 ici. Donc ça, vous savez. Alors peut-être que vous ne vous rappelez plus que vous savez, mais vous savez. Bon. Donc voilà, on est arrivé ici à l'équation que je voulais établir. Ça, c'est l'équation de U en fonction de θ. Et elle, elle va avoir des solutions très simples. On va les écrire, les commenter, etc. Est-ce que du coup, vous avez des questions sur le cheminement ici qui a été suivi, hein? Vous voyez qu'il y avait quand même un certain nombre d'étapes. Elles se font bien. Enfin, une fois qu'on nous dit ce qu'il faut faire, bah, ça se fait. Et puis voilà, quoi. Vous avez des questions sur ça? Vas-y. Donc, elle va nous permettre de calculer U en fonction de θ. Du coup, comme U, c'est 1 sur R, ça va nous permettre de calculer R en fonction de θ. Et ça va être la trajectoire. Ça va être encore donné pour la trajectoire. On aura vraiment la réponse à notre question. Donc on l'a quasiment sous la main, là, la réponse. Hein. C'est quasiment fini. Bon, je m'aperçois que ça fait trois quarts d'heure qu'il n'y a que moi qui parle. Non, pas trois quarts d'heure, presque. Donc là, c'est vous qui allez bosser un peu. Non, pas parler, bosser. Écrivez les solutions de cette équation différentielle. U de θ est égal à... Bon, si les notations bizarres vous font un peu mal, ou plutôt si vous êtes un peu feignant... Vous pouvez résoudre ça aussi. F seconde plus F est égal à une constante grand A. J'ai rappelé ici U. U, je l'appelle F. La dérivée seconde, je l'appelle F seconde. U, je l'appelle F. Et puis la constante, je l'appelle A. C'est ça que je vous demande de résoudre. Hein. Trouver F de X égal. Ah ouais, je suis surpris là quand même. Enfin, vu la tête que vous avez fait quand j'ai écrit l'équation, j'aurais dû pas être surpris, mais... Il n'y a personne qui connaît la réponse à... qui sait résoudre ce genre d'équation différentielle. Alors, c'est quoi la méthode? On a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second membre. Comment on résout ça? Vas-y. S'il vous plaît, taisez-vous tous, j'entends absolument pas ce qu'il dit. Vas-y. Alors, ok. Donc là, tu sors le bazooka pour écraser le moustique. Effectivement, on peut... Non, mais... C'est une méthode, calculer le delta de l'équation caractéristique, machin. Effectivement, alors le problème, c'est quand vous faites ça, il y a tellement d'étapes qu'assez souvent, vous vous trompez en chemin. Vas-y. Il y a une constante, donc il y a seule une fonction qui est constante, il y a une constante. Si on additionne deux fonctions, donc ça veut dire que la dérivée seconde, elle est égale à 0. Donc S est égal à Gm sur ces deux. D'accord, donc là, tu es en train de me parler de la solution, d'une solution. Tu cherches une solution particulière. Tu en as trouvé une d'ailleurs, très bien, oui, tu as trouvé une solution particulière qui est, tu t'es dit, si U est une fonction constante égale à ça, bah dans ce cas, la dérivée seconde ici est nulle et on a bien ces solutions de ça. Oui, cependant, ce n'est pas la solution la plus générale. La solution la plus générale de ça, je vous rappelle, c'est quand on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second membre, on commence par résoudre l'équation sans second membre, on met 0 ici, on cherche l'ensemble des solutions, paf, on les écrit. Et ensuite, on ajoute à ces solutions une solution particulière de l'équation complète. Donc là, il a déjà fait une partie du boulot. Une solution particulière, on en a une. C'est U est égal à Gm sur C2. Je vais la noter U particulière. Je vais noter U HOM pour O comme homogène. On l'appelle souvent l'équation homogène, l'équation sans second membre. Quand vous avez ça, ne sortez pas l'artillerie du delta. Hein. En gros, il faut les connaître, ces solutions-là. Quelle est la fonction qui, quand je la dérive deux fois, me donne la même fonction? C'est ça. Hein. Si on veut 0 ici, ce qu'on veut, c'est que d2u sur dθ2 soit égal à moins u. Quelle est la fonction qui, quand on la dérive deux fois, enfin, donnez-moi une fonction qui, quand on la dérive deux fois, donne la même chose, donne l'opposé de la fonction initiale. Cosinus. Alors, j'entends exponentielle. Non. Exponentielle, tu la dérives deux fois, ça redonne l'exponentielle. Oui, cosinus, oui, le sinus. Et en fait, on peut montrer, ça je le laisse au matheux le soin de vous le démontrer, mais on peut montrer que l'équation la plus générale, elle s'écrit ou bien A cosinus de θ plus B sinus de θ. Ce que je vais écrire d'une autre manière, je vais l'écrire ça A cosinus de θ plus θ0.
Autrement dit, la constante B ici, ce terme-là, on peut aussi le mettre de cette forme-là. Ou dit encore autrement, si ça, j'utilise les formules cosinus de A plus B et que je le développe, on tombe sur une équation de ce type-là. Donc voilà, l'équation homogène, c'est, je vais la prendre sous cette forme-là. L'équation particulière, c'est celle-là. Et du coup, la solution générale U de θ, c'est la somme de ces deux trucs-là. Et ça vaut Gm sur C carré plus grand A cosinus de θ plus θ0. C'est le même A de droite à gauche? Non, c'est pas le même A. On peut l'appeler A' si vous voulez distinguer les deux. Pour l'instant, pour moi, c'est une constante que j'ai pas encore déterminée. Donc c'est pour ça que je me suis pas embêté avec ça, mais ça sera pas la même des deux côtés, non. Ah, c'est A', d'accord, ok. Alors, d'accord, vous prêtez plus d'attention que moi à ça, moi simplement parce que pour moi A c'est une constante et je fais pas attention à si elle change de nom. Vous me verrez des fois, j'ai un grand A, je le divise par 2, ça reste un grand A. Tant que c'est une constante qui, dont la valeur est complètement arbitraire. Mais tu as tout à fait raison. Ici, si je veux être cohérent avec ce que j'ai écrit, c'est le A' qui est ici qui intervient. Tu as bien fait de poser la question, hein, mais c'est juste pour te dire pourquoi je ne fais pas spécialement attention à ça. J'ai mis GM sur C2 en facteur pour introduire une notation qui va nous être utile dans la suite. Tout ça, là, on lui donne un autre nom en général à cette constante-là. On l'appelle petite e. Et ça va s'appeler, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, ça porte un nom, ça s'appelle l'excentricité. Je vais prendre, pour l'excentricité qui est ici, ce que je vais définir, c'est que ça, c'est égal à moins e. Vous allez voir pourquoi juste après, ça sera plus simple dans la suite de définir tout ça par comme moins l'excentricité. Vas-y. Donc ça, je l'appelle moins E et le R, c'est l'inverse de U. C'est encore écrit au tableau là-bas. Et donc ça, ça vaut C carré sur GM sur 1 moins E cosinus de θ plus θ0. Le numérateur est une constante. 1, c'est une constante. E, c'est une constante. Donc voilà, la seule dépendance en θ, elle est donnée par ce terme-là. Ça, ça nous donne, on va voir comment le faire, mais si on se donne pour chaque angle θ ici, je calcule le rayon qui est ici, j'obtiens un rayon, je prends un autre angle θ, je calcule le rayon, j'en obtiens un autre, voilà. Ça, ça me définit vraiment toute la trajectoire, r de θ. Je fais varier θ de 0 à 2π, et ça va me donner l'ensemble de la trajectoire. Là, j'ai un θ0 qui est ici. Imaginons que je parte d'une certaine trajectoire, R de θ, dans laquelle il n'y ait pas le θ0. Imaginez que j'ai une certaine trajectoire comme ça. Alors je mets pour l'instant n'importe quoi, on s'en fout, voilà un bout comme ça. Et un bout comme ça. Si, à partir de ça, je veux obtenir la courbe avec θ plus θ0 ici. Qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient à décaler tous les θ d'une certaine constante. Décaler tous les θ d'une certaine constante, ça veut dire tourner d'un angle constant. Si j'ajoute θ0 à tous les angles, ça veut dire que tous les angles de départ ici, je les décale de θ0. Et donc ce que ça fait, le θ0 qui est ici, c'est que ça fait tourner la courbe d'un angle θ0. Donc le rôle de θ0, si vous voulez, le rôle qu'il joue dans cette équation-là, c'est de faire une rotation de la trajectoire d'un angle θ0. Je vais m'intéresser, moi, je vais prendre ici comme convention θ0 égale 0. Voilà, la courbe elle va être orientée d'une certaine manière. Et si après, on veut s'amuser à trouver les solutions avec θ0 égale autre chose que 0, eh ben, on pourra tourner les courbes qu'on a obtenues d'un angle quelconque. D'accord ? Donc, juste pour ne pas nous embêter ici avec des notations trop lourdes, je vais prendre ici θ0 égale à 0, donc étant entendu que ce n'est pas un manque de généralité, hein, c'est juste qu'après on pourra faire tourner les courbes obtenues pour obtenir le cas plus général. Et donc du coup, on obtient ici cos de θ. Voilà la trajectoire en coordonnées polaires que suit un corps sous l'action de la force gravitationnelle d'un corps massif qui se trouve à l'origine du repère. Cette équation-là, je ne pense pas qu'elle vous parle beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait de quoi c'est l'équation, ça? Non? Bon. Est-ce que vous savez quelle est la trajectoire que suivent les corps massifs autour d'un autre? Des ellipses. Alors, ce n'est pas forcément que des ellipses, mais pour certaines valeurs de E, effectivement, ça va être une ellipse. Prenez votre machine à calculer, graphique, et tracez en coordonnées polaires, R est égal à 1 sur 1 moins
un demi de cos θ. Je prends des valeurs arbitraires pour les constantes qui interviennent là-dedans, et je voudrais que vous traciez ça. Vous obtenez quelque chose comme ça. En tout cas, on obtient vraiment quelque chose comme ça. C'est effectivement, dans ce cas-là, une ellipse. De manière générale, l'équation qui est ici, là, c'est l'équation de ce qu'on appelle une conique. Écoutez-moi, ça y est, revenez avec moi, s'il vous plaît. Là, du coup, ce que vous êtes en train de chercher, vous le chercherez chez vous. Vous pourrez plus facilement chercher ça chez vous que de réécouter ce que je suis en train de dire là, chez vous. Donc l'équation qui est ici, de manière générale, c'est l'équation d'une conique. Et suivant la valeur de E, ça regroupe trois courbes particulières. Trois courbes particulières même, parce que c'est une courbe. Si E est compris entre 0 et 1, dans ce cas, la courbe est une ellipse. C'est ce que vous avez vu là avec E égale 1,5. Ce que je vous ai fait faire, c'était effectivement une ellipse. Si E est rigoureusement égal à 1, c'est une parabole. Et si E est supérieur à 1, c'est une hyperbole. Et si on veut faire un petit dessin animé de ce qui se passe quand E évolue au cours du temps, ça vous pourrez le faire ou bien sur vos machines, mais sinon avec le moindre logiciel qui trace des graphes de courbes, on peut le faire très bien. Pour ceux qui ont un Mac sur Grapher, ça se fait vraiment en trois clics. Et vous obtiendrez les choses suivantes. Quand vous avez E est égal à 0, je vais partir de E égale 0 et je vais faire une animation au tableau de ce qui se passe quand E, petit E augmente, quand on prend des E de plus en plus grands. Quand E égale à 0, qu'est-ce qu'elle vous dit cette courbe? Elle vous dit que R de θ est égal à, ça vaut 0, donc finalement c'est super simple, ça veut dire que R est une constante, la constante c'est C2 sur Gm, mais R est une constante quand E égale 0. C'est quoi la courbe qu'il y a pour équation R égale à constante? Une droite? Non. Un cercle. L'ensemble des points pour qu'ils soient à égale distance du centre, ça s'appelle un cercle. Ça, c'est E égale à 0. Quand ensuite, vous augmentez la valeur de E légèrement, vous trouvez des courbes, des ellipses. En fait, ce qui se passe, c'est que le cercle se déforme dans cette direction-là. Et vous obtenez quelque chose qui va faire comme ça, puis comme ça, qui s'ouvre de plus en plus. Voilà, vous avez des ellipses qui sont d'une part de plus en plus décentrées et d'autre part de plus en plus ouvertes, jusqu'à ce que, pour E est égal à 1, ça en fait, ça devienne carrément autre chose, ça s'ouvre complètement pour former une parabole. Pour tous les E plus petits, vous avez des ellipses qui sont effectivement fermées, et pour E égale 1, ça donne une parabole, une courbe qui est complètement ouverte. Et ensuite, quand vous prenez des E plus grands que 1, vous avez des courbes qui sont elles aussi ouvertes, avec des asymptotes. Et vous trouvez des courbes qui sont comme ça. J'ai pas dit pourquoi c'était des coniques. Conique, c'est bizarre comme nom. Conique, c'est parce que ces trois types de courbes, c'est celles qu'on obtient. Si vous prenez un cône, une symétrie de révolution, un truc pointu, voilà, toc. Si ce cône, vous le coupez par un plan, vous allez obtenir ces différentes courbes-là. Si vous coupez un cône comme ça, posé par terre par un plan horizontal, ça va faire un cercle. D'accord ? Si vous coupez par un plan tordu, ça va faire une ellipse. Vous coupez par des plans de plus en plus tordus, ça va faire des ellipses de plus en plus allongées. Si ensuite vous coupez ce cône, comme ça, par un plan qui est parallèle à ce côté-là, en fait, la section ici, c'est une parabole. Et si vous coupez maintenant par un plan qui est plus penché, par exemple un plan qui est carrément vertical, vous allez trouver des hyperboles. Donc toutes les sections d'un cône par des plans, ça donne ces trois courbes-là, ces trois types de courbes-là, c'est pour ça qu'on les appelle des coniques. Je vais m'intéresser ici, pour l'instant, uniquement aux ellipses, parce que ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire des planètes autour du Soleil. Je ne l'ai pas dit aussi explicitement, mais c'est ça qui m'intéresse. Et ça, on l'écrit de la manière suivante. On définit P est égal à C carré sur Gm. Ça s'appelle le paramètre de l'ellipse. Et dans le cas des ellipses, je vais vous faire ici un petit résumé des propriétés qu'on a sur ces ellipses. Alors, mon ellipse, c'est plutôt une patatoïde au tableau. Je suis désolé. Imaginez une belle ellipse. Dessinez une belle ellipse.
Le point qui constitue l'origine du repère, l'origine qu'on a quand on écrit l'équation sous forme polaire ici, ça s'appelle le foyer de l'ellipse. Il y a une première propriété intéressante qui n'a pas tellement de lien avec les planètes ici, mais je vous la montre parce que vous la rencontrerez peut-être, cette propriété-là. La courbe que vous obtenez, elle est symétrique ici par rapport à son milieu. Ici, un point que je vais appeler grand C, le centre de l'ellipse. Et vous avez ici un autre point, un autre foyer. Celui-là, je vais l'appeler F1, celui-là, je vais l'appeler F2. Donc en fait, il y a deux foyers de l'ellipse. On pourrait écrire l'équation de l'ellipse en prenant ça comme origine. On trouverait quelque chose de très similaire à ce qui est là-bas. Et le point, un point géométrique remarquable de l'ellipse, c'est que si vous dessinez un récipient en forme d'ellipse ici, un récipient réfléchissant, et vous envoyez un rayon lumineux depuis ce foyer-là, ce rayon-là va nécessairement se réfléchir sur ce foyer-là. Et c'est vrai pour tous les rayons. Vous en envoyez un comme ça, il va se réfléchir là, etc. Ça veut dire que si vous mettez une source lumineuse ici, tous les rayons lumineux vont converger là. Ça marche pour les ondes lumineuses, ça marche pour le son aussi. Ça, c'est une expérience super impressionnante à faire. Vous prenez une grande salle elliptique, vous avez quelqu'un qui chuchote ici, quelqu'un qui met son oreille là, il vous entend chuchoter là, alors que tous les gens autour ne vous entendent pas. Si vous avez l'occasion de fréquenter le métro parisien, il y a certaines stations dans lesquelles le mur ici est fait avec une section d'ellipse. Et donc vous avez le train qui est là, je toque, vous avez vous qui êtes là, si vous parlez doucement là, le gars là vous entend très bien. Ça marche vraiment bien, vous pouvez le faire à deux, voir d'où ça marche. Mais si vous mettez chacun au foyer d'ellipse, ça marche. Je reprends mon ellipse. Que vaut le rayon maximal qui est ici? Le rayon maximal qu'on obtient avec cette ellipse, c'est celui pour lequel E cosinus θ est maximal, c'est-à-dire c'est pour cosinus θ égale 0, oui, c'est ce qu'on voit ici. Et du coup, ça fait, la valeur maximale ici, c'est P sur 1 moins E. La valeur minimale ici, R min, c'est P sur 1 plus E. Du coup, la taille totale de cette ellipse là, ça fait R min plus R max, je fais la somme de ces deux choses-là. P sur 1 plus E plus P sur 1 moins E. Je vous le fais en rapide, hein, on met tout au même dénominateur. On a ici 1 moins E fois ça plus 1 plus E fois ça. Les E s'en vont. Il reste 2P sur 1 moins E carré. Si ça va trop vite, notez juste le résultat. Il suffit de le faire, hein, effectivement. Et ça, cette taille-là totale, on l'appelle 2A. Ou A. Donc, alors ça s'appelle le grand axe de l'ellipse. Et du coup, le petit A qui est ici, ça s'appelle le demi-grand axe. Ce demi-grand axe, il vaut donc P sur 1 moins E carré. Et donc ça s'appelle demi-grand axe. Quand le cosinus de θ maintenant vaut 0, c'est-à-dire quand on a θ qui vaut pi sur 2, c'est-à-dire c'est le point qui est ici, θ égale pi sur 2, je monte ici, la distance r ici vaut p sur 1 moins 0, donc juste p, et bien p c'est la grandeur qui est ici là. La grandeur p que j'ai introduite c'est celle-ci. On peut aussi montrer, alors là je ne vais pas le faire, mais je vous invite à aller voir sur la page Wikipédia de Ellipse, par exemple, hein, c'est assez bien expliqué. Vous avez ici le centre, la grandeur qui est ici, on l'appelle petit c, et c'est donné ça par, alors c'est un petit c, et c'est donné par a fois l'excentricité. La grandeur, la distance entre le foyer de l'ellipse et le centre de symétrie d'ellipse, c'est a, donc le demi-grand axe qui est ici, fois e, l'excentricité. Vous voyez que du coup, l'excentricité, ça a une interprétation géométrique, c'est le rapport entre cette distance-là et celle-là. Donc plus le foyer est écarté de C, plus l'excentricité est importante. Excentricité, ça veut dire hors du centre. Plus l'excentricité est grande, plus le foyer est loin du centre. C'est ça que ça veut dire. Ça, je vais la noter ici, celle-ci, parce qu'elle va intervenir plus loin. P sur 1 moins E carré. Ah non, il y a aussi le demi-petit axe, ça là, on l'appelle B. Et ça, je ne vous le démontre pas, mais B, c'est donné par A racine de 1 moins E carré. On peut montrer cette relation-là pour les ellipses. Donc B ici, c'est plus petit que A, du coup, d'un facteur racine de 1 moins E carré. Je vais un petit peu vite sur les propriétés de l'ellipse, parce que je ne veux pas vous faire un cours de géométrie. Voilà, faites-moi confiance sur le fait que ces propriétés sont effectivement correctes.
Alors, je vais quand même passer une minute sur le cas le plus simple de tous, quand même. Le cas le plus simple de tous, c'est celui pour lequel E est égal à 0. L'excentricité est nulle ici, ça veut dire que ce foyer est confondu avec C, l'autre foyer aussi d'ailleurs. Et dans ce cas, on voit que quand E égale à 0, R de θ, ça vaut simplement petit p, ou C carré sur Gm. Donc vous avez R qui est une constante, qui est cette constante-là, donc la trajectoire est un cercle. Et on peut aussi écrire ce que vaut la vitesse angulaire à laquelle le cercle est parcouru. Je vous rappelle que grand C est une constante ici. Si R est constante, d'après l'équation qui est ici, si petit r est constant et comme C c'est une constante, ça veut dire que θ point est une constante ici aussi. Et dans ce cas-là, on l'appelle grand oméga, c'est la vitesse angulaire. Ici, elle est constante. Mais voilà, dans le cas d'une trajectoire circulaire, on a E égale à 0 et on a la vitesse angulaire qui est constante. Voilà. Donc, si on a une planète qui est lancée exactement à la bonne vitesse, elle peut éventuellement faire une trajectoire qui est circulaire à vitesse constante. Ok, alors pour terminer le cours d'aujourd'hui, je vais énoncer ce qu'on appelle les lois de Kepler, qui ont joué un rôle extrêmement important au point de vue historique, pas seulement pour la physique, mais pour les sciences en général. Quelqu'un sait ce qui était Kepler ou ce que sont ses lois ou peut me dire un truc de pertinent sur Kepler ou sur ses lois? Vous savez qui c'était Kepler? Donc là, bravo, tu as lu ce qui est écrit au tableau, les lois de Kepler. Merci. Kepler, c'est quelle époque? 1800? 1700? Ok, c'est plutôt 1600, il doit être mort en 1630 quelque chose. Et les trucs importants, enfin il a fait plusieurs points importants, mais c'est vraiment vers les années 1600. Ok, juste pour vous dire en deux mots pourquoi c'était important historiquement. Avant Kepler, on décrivait le mouvement des planètes autour du Soleil par des cercles, plus précisément par des petits cercles qui tournaient autour de grands cercles. On avait des grands cercles et puis des petits cercles qui étaient autour comme ça s'appellent des épicycles. Et ça permettait de décrire plus ou moins bien le mouvement observé des planètes autour du Soleil, ce qu'on voyait dans le ciel. Kepler s'est rendu compte, grâce aux observations notamment de Tycho Brahe, qui était un grand observateur de l'époque, le dernier grand observateur à l'œil nu. Après est venu Galilée et les gens utilisaient des lunettes, mais au temps de Tycho Brahe, non. Et avec les observations de Tycho Brahe, grâce à celles-ci, Kepler a pu montrer que la trajectoire suivie par les planètes était des ellipses. Ce qui était un truc de fou à l'époque. Personne ne connaissait les ellipses et personne n'avait envie de mettre des ellipses. La physique, ça devait être des cercles, ça devait être des trucs qui tournent autour de cercles parce que la nature aime bien ce qui est rond et tout ça. Bon. Lui, il a dit non, c'est des ellipses. Et puis, il ne l'a pas dit, hein. il a montré que ce qu'on observait était compatible avec ça. Quelques décennies plus tard, arrive Newton qui écrit les lois de la mécanique que vous connaissez. Et en particulier, Newton montre qu'effectivement, on peut, à partir de l'attraction gravitationnelle en 1 sur R², montrer que les orbites sont des ellipses. Et donc ça, c'était vraiment un point fort de la mécanique newtonienne. Newton arrivait à montrer ce truc qu'avait pressenti Kepler. Donc Kepler, c'était à partir d'observations et Newton, c'était à partir des calculs. Il ne l'a pas fait de la manière dont on l'a fait là, hein, Newton, parce que lui, il n'avait pas du tout les outils mathématiques que j'ai utilisés ici, notamment les vecteurs, il ne les connaissait pas du tout. Hein, il n'y a pas de vecteurs au temps de Newton du tout. Il faisait ça autrement. Mais donc Newton a pu montrer qu'avec une loi en 1 sur R², une loi d'attraction en 1 sur R², les orbites sont des ellipses. Donc ça a donné une confiance vraiment très importante dans la mécanique de Newton. Et ça a révolutionné là vraiment toute la physique. Bon. En fait, Kepler, il en a écrit trois des lois. Il a montré trois propriétés des orbites. La première, c'est que les trajectoires des planètes sont des ellipses. Dont le Soleil, donc le corps qui attire, on dirait ça aujourd'hui, c'est un peu anachronique, là, Kepler il ne voyait pas comme ça, mais sont des ellipses dont le Soleil est à un des foyers. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une ellipse dont un des foyers est occupé par le centre attracteur. Ça c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc là le calcul qu'on a fait, ça démontre finalement la première loi de Kepler. Il en a écrit deux autres, des lois
qui décrivent cette fois-ci ce que, plus l'aspect, l'aspect temporel. La deuxième loi, qu'on appelle loi des airs. Elle dit la chose suivante. Je commence par l'énoncé, puis on va la démontrer après. Je dessine ici une ellipse, avec ici le soleil au foyer de l'ellipse. Ce que dit la loi des airs, c'est la chose suivante. Pendant un certain temps, delta t, le rayon ici, ce qu'on appelle le vecteur position de la planète décrit une certaine... balaye une certaine région de l'espace. La planète, imaginons qu'elle passe de là à là. Et on va s'intéresser à l'air qui est contenu ici, entre, qui est déterminé, qui est... par l'air, hein, qui est délimité par ce trait-là et celui-là, et puis voilà, par le triangle qui est ici, en fait. On peut montrer que pendant un même temps delta t, si je prends une autre portion de trajectoire ici, l'air qui est ici est la même que celle-là. L'air balayé par le rayon vecteur pendant un temps delta t est la même au cours du temps. D'accord ? Ça, on va le démontrer tout de suite. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va être malin. Imaginez que j'ai ici un rayon vecteur r à un certain temps, et puis j'en ai un autre ici, à un temps ultérieur, que j'ai noté r de t plus delta t. Ça, c'était r de t. Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent sur le vecteur rouge qui est ici, qui relie r au temps t et r au temps t plus delta t? Ce vecteur-là, on peut en dire quelque chose. C'est égal en fait à une expression vraiment très simple qui fait intervenir des grandeurs que vous connaissez. Alors, je vais essayer de vous mettre sur la piste. Le vecteur qui est ici, là, est-ce que vous êtes d'accord que c'est r de t plus delta t moins r de t? Le vecteur rouge qui relie celui-là à celui-là, c'est la différence des deux vecteurs. Ça, ça va? Ça, là, à quoi c'est égal si delta t est suffisamment petit? Si je divise ça par delta t, ça, ça a une limite bien définie quand delta t tend vers 0. C'est la dérivée. C'est la définition de la dérivée. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle dr, la dérivée de dr sur dt. Ça, c'est quoi? C'est la vitesse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le vecteur rouge qui est ici, c'est le vecteur vitesse fois delta t. Je prends la vitesse et je multiplie par le temps, ça me dit la distance qui a été parcourue, hein. Je prends le vecteur vitesse et je le multiplie par un petit temps delta t, ça me donne le déplacement du système pendant ce temps delta t. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai mis ici. Donc ça, c'est simplement v delta t ici, le vecteur qui relie ce point-là à ce point-là. Pourquoi je vous raconte ça? Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'air de ce qui est là-dedans. Là, c'est le moment de ressortir un truc que je vous ai dit une fois et de voir que vous vous en souvenez. Vous vous souvenez d'une formule qui donne l'air ici, qui est délimité par ce vecteur-là et puis ce vecteur-là? Il y a le produit vectoriel, oui. Alors plus précisément, quand on a deux vecteurs, le produit vectoriel, ça donne l'air du parallélogramme. Ici, j'ai l'air du triangle, donc c'est la moitié, hein. Donc ici, l'air qui est ici, que je vais noter ds, c'est égal à r vectoriel v fois dt. Alors je vais mettre des deltas si vous voulez, parce que j'ai mis des deltas partout depuis le début. Et c'est donné par la valeur, par la norme de cette grandeur-là, et avec un facteur 1/2. Et là, alléluia, r vectoriel f vectoriel v, ici c'est quoi ça? On l'a vu, c'est la définition, ça intervient dans le moment cinétique. Vous vous rappelez que L, c'était donné par MR vectoriel V. Ça, c'est une définition, hein, c'est un des premiers trucs qu'on a écrit dans le cours ensemble. Donc R vectoriel V, c'est L sur M. Et donc la quantité qui est ici, ça c'est 1/2 avec un 1 sur M fois la norme de L, que je vais noter L, fois delta T. Or, L ici, c'est une constante, on l'a vu tout à l'heure, c'est encore au tableau. C'est relié à la constante des airs. D'ailleurs, le C sur M qui est ici, le L sur M qui est ici, c'est la grandeur C, la constante des airs. Donc ça, je peux même aussi l'écrire. 1/2 de grand C fois delta T. Ben voilà. L'air parcouru pendant un temps delta T est proportionnel à delta T, ne dépend de rien d'autre.
et fait intervenir cette constante, du coup, qu'on appelle la constante des airs. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc voilà, ça, ça démontre la deuxième loi de, Kepler. Et enfin, la troisième loi de Kepler. Et celle-là, je vais la démontrer avant de l'énoncer. Ça, j'ai pas spécialement besoin de l'effacer. La troisième loi, c'est qu'elle s'intéresse à la période, au temps que met le système pour faire une orbite entière. Je vais appeler ça grand T, la période, ce qu'on appelle la période de l'orbite. Dans l'expression qu'on a trouvée ici, ça relie l'air balayé par ça relie l'air balayé au temps qu'on considère. Ça, c'est que ça a quoi comme unité physique ? Si ça c'est une R et ça c'est un temps. Mètre carré par seconde, effectivement. Par exemple, des mètres carrés par seconde. Donc la constante qui est ici vous dit le nombre de mètres carrés qui sont décrits, balayés par le vecteur position, par seconde. Si je vous donne la surface ici totale de qui est contenue dans l'orbite ici, la surface de l'ellipse. Si je vous la donne, en fait je vais le faire. La surface d'une ellipse, c'est pi fois A fois B, où A c'est le demi-grand axe qui est ici et B c'est le demi-petit axe. C'est comme le pi r carré d'une sphère, où dans lequel A et B sont la même chose, c'est le rayon, sauf que pour une ellipse c'est aplati dans la direction du petit axe et donc il y a une des grandeurs qui est remplacée par B. En tout cas, je vous le dis, ce n'est pas une démonstration, mais je vous le dis, la surface d'une ellipse c'est donnée par pi fois A fois B. Du coup, si la surface parcourue par unité de temps est donnée par 1/2 de C, est-ce que vous pouvez m'écrire là que vaut la période de l'orbite ? Comment on peut relier la période de l'orbite à la surface de l'ellipse ici ? En utilisant l'expression qui est là. Je vous laisse réfléchir pendant 30 secondes. Donc, hein, je répète, ça c'est l'air balayé par unité de temps. Ça c'est l'air total de l'ellipse. Ce que je vous demande c'est en combien de temps est-ce que ça fait un tour ? Est-ce que en combien de temps est-ce que le système balaye effectivement l'ensemble de l'ellipse ? Vous avez un champ, attention, parabole paysanne. Vous avez un champ qui fait 1000 mètres carrés. Vous avez un champ qui fait 1000 mètres carrés et vous arrivez à faucher 100 mètres carrés par heure. Combien de temps vous allez mettre pour faucher votre champ ? Vous avez fait la surface totale divisée par le nombre de mètres carrés par unité de temps. Là, on a une ellipse qui fait au total une surface de pi AB, ça c'est son air total, et le rayon vecteur qui est ici en balaye une surface qui vaut cette quantité-là, 1/2 de C, par unité de temps. Par exemple, ça peut valoir, si ça vaut justement les 1000 mètres carrés de tout à l'heure, et que ça vaut 100 mètres carrés par heure, et ben on est dans le cas du faucheur de tout à l'heure. Du coup, la période qui est ici, le temps qu'il faut pour tout balayer, c'est la surface totale, pi AB, divisé par... par la surface par unité de temps, c'est-à-dire le 1/2 de C qui est ici, par le C sur 2. C'est-à-dire ça fait 2 pi AB sur C. Je vais mettre ça au carré, parce que ça va être plus facile à calculer. En fait, c'est le T carré qu'on peut calculer de manière simple. T carré est égal à 4 pi A2. Attention, je vais utiliser ici une propriété que j'ai écrite là-haut des ellipses. Le B qui est ici, c'est A fois racine de 1 moins E carré. Donc quand je le mets au carré, B carré, ça donne A carré, facteur de 1 moins E2. Donc là, le terme qui est ici, c'est B carré. Je divise par C, et C, je vais aussi le remplacer par C carré, du coup, j'ai tout mis au carré. Et C carré, je vais utiliser l'expression qui est là. C carré, c'est GM fois P. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien parce qu'on reconnaît, avec un peu d'habitude, vous là ça va vite, donc vous ne voyez peut-être pas, mais la grandeur qui est ici, P sur 1 moins E carré, j'ai dû l'écrire quelque part, voilà c'est ça, c'est 1 sur A en fait, d'après l'expression qui est ici. Donc tout ça, ça vaut 1 sur A, et on se retrouve à la fin avec 4 pi A cube sur GM. Et voilà.
Ça, c'est la troisième loi de Kepler. Le carré de la période est proportionnel au cube du grand axe de l'ellipse, avec un coefficient de proportionnalité ici en plus qu'on peut déterminer. Donc Kepler, lui, il avait juste vu la proportionnalité entre t carré et a cube pour les orbites qu'il avait considérées. L'apport de Newton, c'est d'avoir montré que la constante de proportionnalité est donnée par ça. Ça, en astronomie, c'est vraiment une des formules les plus importantes qu'on puisse imaginer. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette formule est intéressante? C'est un des seuls moyens, en fait, qu'on ait de mesurer les masses des objets. Imaginez que vous voulez connaître la masse de la Terre. Comment est-ce que vous faites ça? Vous pourriez vous dire, ben, je vais utiliser la façon dont ça tourne autour du Soleil. Non, ça ne marchera pas parce que tous les corps lancés de la même façon tournent de la même façon autour du Soleil, peu importe leur masse. Ce qu'il faut, c'est lancer quelque chose autour de la Terre. Et du coup, en mesurant la période des objets et le rayon avec lequel ils tournent, donc en fait en mesurant les caractéristiques de l'ellipse, de la trajectoire autour de la Terre, et à partir de cette relation-là, on arrive à mesurer M. Autrement dit, on mesure la période, on mesure la distance de l'objet du satellite au corps massif qui nous intéresse, et on en déduit M. Par exemple, pour Jupiter, on peut mesurer la masse de Jupiter en observant le mouvement des satellites autour de Jupiter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez bien. On mesure de nuit en nuit où se trouvent les satellites. On mesure aussi la distance qui sépare angulairement les satellites de Jupiter. Sachant la distance qui nous sépare de Jupiter, on peut savoir la vraie distance physique. Donc, on peut connaître la taille de l'orbite. Et donc, en prenant le cube de la taille de l'orbite et puis le carré de la période, on peut connaître la masse de Jupiter. Voilà. La masse des corps célestes, c'est vraiment un moyen puissant de les déterminer. Si vous avez une planète qui n'a pas de satellite, c'est super dur de connaître sa masse. Il y a des moyens, parce qu'on peut étudier la manière dont la planète influence gravitationnellement, perturbe les orbites des planètes voisines, mais c'est des effets qui sont en général très faibles, et du coup la précision qu'on a sur les masses est vraiment faible. Alors là, on vient de voir, je viens de vous présenter les cas dans lesquels les mouvements étaient des ellipses. Donc on a vu que la trajectoire, ici, était décrite par R est égal à P sur 1 moins E cos θ. Et on vient de voir que quand E était compris entre 0 et 1, ça donnait des ellipses. Je vais maintenant passer quelques minutes à vous exposer ce qui se passe dans le cas où E est plus grand que 1. On a vu dans l'animation que j'ai montré tout à l'heure que, aux grandes valeurs de l'excentricité de E, les trajectoires qui étaient des ellipses s'ouvraient pour devenir une parabole pour E égale 1, puis des hyperboles. Et c'est sur ça que je voudrais revenir ici. Et alors plus précisément, ce qu'on obtient, la forme de trajectoire qu'on obtient, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est censé être une hyperbole. Et on peut voir quelques caractéristiques de cette courbe en regardant directement l'équation qui est ici. On voit que quand E est plus grand que 1, le dénominateur ici peut éventuellement s'annuler et devenir négatif. Puisque le cosinus varie entre moins 1 et 1, si E vaut 2 par exemple, ben on voit que quand le cosinus vaut 1,5, paf, le dénominateur s'annule. Donc ça pose un petit peu un problème. Et en plus, en coordonnées polaires, je vous rappelle que la distance, que R ici, c'est vraiment une distance. Donc les coordonnées polaires telles que je les ai définies avant ne permettent pas des valeurs négatives pour R. Donc ça vous dit que dans le cas où E est plus grand que 1, il y a toute une région, une gamme de θ qui est interdite. On ne peut pas avoir 1 moins E cos θ négatif. Ou dit autrement, ça veut dire que 1 moins E cos θ doit nécessairement être positif, supérieur à 0. Donc quand je manipule ça je le mets de l'autre côté, ça vous dit que E cos θ doit être inférieur à 1, et donc ça vous dit que cos θ doit être inférieur à 1 sur E. Voilà, la courbe qui est ici n'est définie que pour cos θ est plus petit que 1 sur E. Vous vous rappelez que le cosinus, c'est une fonction qui est décroissante entre 0 et pi. Et donc ça vous dit, ça, c'est si cosinus est plus petit qu'une certaine valeur, ça veut dire que θ doit être plus grand qu'une valeur qui est donnée par l'inverse du cosinus, enfin l'inverse au sens des fonctions, arcosinus de 1 sur E. Voilà. Donc θ nécessairement est plus grand qu'une certaine valeur, et c'est ce qu'on voit effectivement sur la figure qui est ici. Hein. Vous vous rappelez avec l'animation, avec les ellipses, on avait pour E plus petit que 1 quelque chose comme ça, donc θ pouvait partir de 0 et puis augmenter. Et bien quand E devient trop grand, ce point-là est perdu, et la courbe commence dès ici en fait, elle commence à un certain angle, avec un certain angle, et je vais le matérialiser avec des pointillés comme ça, cet angle limite. Je vais l'appeler θ limite, θ L, et il est ici.
On remarque aussi d'ailleurs que la courbe est symétrique. Hein. Si je change θ en moins θ, ça donne le même rayon. Donc la courbe elle est symétrique par rapport à cet axe-là. Et donc le pointillé qui est ici est symétrique à la ligne pointillée qui est là. On a la même ouverture là que là. Et on remarque aussi, dernière chose, que quand θ tend vers cette valeur limite là, quand θ tend vers ça, ça veut dire quand cosθ tend vers 1 sur E, donc E cosθ tend vers 1, ça tend vers 0, ça veut dire que R tend vers l'infini. Vous voyez que R tend vers l'infini quand θ tend vers cette valeur-là. Ça s'appelle une asymptote. Et vous avez effectivement ici la trajectoire qui tend finalement vers cette droite-là, définie par θ est égal à une constante. Et pareil ici. Donc elles ont une caractéristique intéressante, ces hyperboles-là, c'est qu'elles sont limitées par des asymptotes rectilignes. Et donc la trajectoire, si on la regarde de loin, on voit quelque chose qui arrive ici en ligne droite, presque en ligne droite, qui s'approche là, qui est dévié et qui repart en ligne droite comme ça. Ça s'appelle ce phénomène, donc c'est effectivement quelque chose qu'on peut observer. Hein. Si vous lancez, vous avez une masse et vous en lancez une autre à côté, bah, la masse elle est déviée par la première, elle est attirée, donc sa trajectoire est déviée comme ça. Ça s'appelle de la déflexion gravitationnelle. Je vais vous mettre en garde contre un truc, hein, parce que des fois, enfin vous avez tous vu dans les films ou même quand vous vous intéressez aux nouvelles scientifiques, qu'on utilise parfois les planètes pour accélérer des sondes. On veut envoyer une sonde loin et vite ailleurs dans le système solaire, on l'envoie par exemple autour de Jupiter, elle fait le tour et puis elle repart très vite. Ça peut pas être expliqué par ça, hein. Ça s'appelle une fronde gravitationnelle, ça. Là, dans ce que je vous ai indiqué ici, ça arrive avec une certaine vitesse. On pourrait calculer cette vitesse à cet endroit-là, la vitesse asymptotique, là. Et ben, on peut montrer que c'est la même, là. La courbe, elle est encore une fois symétrique par rapport à θ. Donc là, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'accélération, disons, il n'y a pas d'augmentation de la valeur absolue de la vitesse entre l'arrivée et le départ ici. Si on veut utiliser l'effet de fronde gravitationnelle, en fait, c'est plus complexe. Il faut que cette masse-là, en plus, soit en train de se déplacer, d'avancer. Juste un point de vocabulaire. Le point qui est ici, là, le point de plus petite approche, ça porte un nom, ça s'appelle le périhélie. Alors, périhélie, donc le hélie qui est ici, ça vient de soleil, hein, hélios. Donc, quand la masse qui est ici est le soleil, donc on envoie quelque chose près du soleil et qui fait ça, une comète par exemple, paf, ou un autre objet, donc le point le plus proche, c'est le périhélie, c'est ce qui est le plus proche du soleil. Voilà. Dans le cas, c'est aussi, on adopte aussi cette notation-là dans les ellipses, je ne l'ai pas dit ça précédemment, mais la distance qui est ici, c'est aussi le périhélie, et le point qui est là, du coup, qui est absent pour les hyperboles, mais qui est présent pour les paraboles, le point ici le plus lointain qu'on puisse atteindre, ça s'appelle l'apélie. Apélie. Le AP, ça vient de apo, et effectivement, quand ici, on n'a pas le soleil, mais qu'on a une planète, la trajectoire est la même qu'on a le soleil ici ou qu'on regarde une planète et puis quelque chose qui tourne autour de la planète. Dans ce cas-là, il y a d'autres noms. Quand le corps qui est ici est une planète, on appelle ça le périgée, en particulier quand c'est la Terre. Et ça, c'est l'apogée. Et on utilise aussi un langage un tout petit peu plus général quand on étudie d'autres étoiles que le soleil. On peut dire périhélie, mais il y a aussi des gens qui utilisent le terme périastre et ici apoastre. C'est tout construit sur la même racine, mais ce n'est pas le même objet qui sert de référence. Non. La dernière question que je voudrais aborder ici, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on sait, quand on est dans une situation pratique avec un corps qu'on lance au voisinage d'un objet massif, comment on sait que E est plus grand ou plus petit que 1? Comment on sait si la trajectoire va être une ellipse ou une hyperbole ou une parabole? Bon. Je vais me poser la question de manière plus précise, de la façon suivante. Imaginez qu'on ait un corps ici, qui soit par exemple la Terre, et imaginez que depuis un point dans l'espace, ici, j'envoie un corps avec une certaine vitesse que je vais noter V0 et une vitesse qui est perpendiculaire à cette distance-là. Donc on l'envoie de manière orthoradiale dans cette direction-là. La question que je me pose, c'est est-ce que, à l'issue de ce lancement-là, est-ce que la trajectoire va être une parabole, une hyperbole ou une ellipse? Donc finalement, la question que je me pose, c'est quel est le petit e, hein, correspondant à la situation qui est ici. La distance qui est ici, je vais l'appeler R min. Et si vous regardez bien les courbes que j'ai tracées tout à l'heure, les ellipses et les hyperboles,
On avait tout un tas comme ça, voilà. Vous remarquez un point intéressant, c'est comme les courbes elles sont symétriques par rapport à cet axe-là, comme elles sont paires en θ, en fait, hein, elles sont symétriques par rapport à cet axe-là, ça vous dit ici que la dérivée de R par rapport à θ à ce point-là, elle est nécessairement nulle. Dit autrement, R, il est au minimum ou maximum ici, par symétrie. Donc on a forcément dR sur dθ qui est nul à cet endroit-là. Ça peut être un minimum, un maximum. Dans les courbes que j'ai tracées là, c'était effectivement un minimum. Et à cet endroit-là, vous voyez aussi que la courbe, du coup, par symétrie, elle a une tangente qui est verticale. Donc en ce point-là, la vitesse, elle est verticale. Ce qui vous dit que le point qui est ici, là, que le lancement de la courbe, ça correspond à un de ces points-là. Donc la courbe qu'on va obtenir, c'est ou bien une ellipse du type de celle que j'ai tracée ici, ou bien une hyperbole ou éventuellement une parabole entre les deux. Mais voilà. La question, c'est est-ce qu'on est dans cette situation-là ou dans cette situation-là? Mais pour ça, il suffit de calculer E. Et la manière de faire ça, elle est finalement assez simple. Alors la question, alors je vais le faire de la manière suivante. Je vais écrire la relation entre V0 et puis le R min qui est ici. Et le θ point. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu quand on a vu les coordonnées polaires. Vous vous rappelez que les coordonnées de la vitesse, c'est V est égal à R.UR plus Rθ point Uθ. Et ici, on est dans la situation où R point est nul. C'est ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Donc, ce terme-là est nul. Donc, la vitesse est simplement donnée par ça. Donc, le V0 à cet endroit-là, sa norme est donnée par R fois Θ point, c'est-à-dire R min, ici, dans cette situation-là, fois Θ point. On a vu aussi plus haut dans le cours que la quantité C est égale à R2θ point était une constante, c'était la constante des R. Donc si c'est une constante, ça veut dire que θ point est égal à C sur R2. Et donc ça vous dit que la quantité qui est ici, je peux l'écrire, si je l'écris à cet endroit-là qui m'intéresse, le θ min ça vaut donc C sur R min au carré, tout ça, ça vaut C sur R min. On a vu aussi que le paramètre P de l'ellipse qui est ici était donné par C carré sur GM. Ça, il suffit de regarder plus haut dans votre cours. Et donc, ça vous dit que la constante des R C est donnée par P fois G fois grand M avec une racine carrée, d'une part. Donc ça, je vais le remplacer ici. Racine de P fois grand G fois grand M sur R min. Et on avait aussi montré, mais ça on le voit directement, que R min ici est aussi relié à P, puisque la plus petite quantité qu'on puisse obtenir pour R, c'est celle pour laquelle on a ici 1 plus E au dénominateur, donc ça fait P plus sur 1 plus E. Et donc dans l'expression qui est ici, je vais remplacer P par R min fois 1 plus E, GM R min fois 1 plus E, tout ça c'est dans la racine carrée, le tout divisé par R min. Vous voyez que le R min se simplifie et ça vous dit ça que la vitesse V0 est reliée à GM E et R min de cette manière-là. Voilà. Alors bon, il y a quelques étapes, hein, faut aller chercher à chaque fois certaines relations que vous connaissez peut-être pas par cœur, et bon, moi non plus, mais bon. On les a mis dans un coin, voilà, on est prêt à faire la démonstration. Une fois qu'on les a, ça se fait assez bien. Et du coup, vous voyez qu'effectivement, une fois qu'on connaît R min et qu'on connaît V0, on peut trouver E. Voilà. Et donc, finalement, la question que je posais, c'est est-ce qu'on a une ellipse ou est-ce qu'on a une hyperbole? Et bien, on va avoir une ellipse si E est inférieur à 1. E inférieur à 1, ça veut dire que là-dedans, le 1 plus E est inférieur à 2, et ça nous donne que V0 est inférieur à 2GM sur R min, avec une racine carrée. Et on aura une hyperbole dans le cas contraire. C'est-à-dire si V est supérieur à cette grandeur-là. Selon la vitesse avec laquelle on lance le corps, si on le lance à une vitesse plus faible que cette grandeur-là, que je vais appeler la vitesse limite, si on le lance à une vitesse V0 plus petit que V limite, et ben le truc il va faire une orbite, et l'objet va décrire une ellipse, et donc il va rester finalement autour du corps qui est ici. Ça, c'est si la vitesse est plus petite que la vitesse limite. Si la vitesse est plus grande, ce n'est pas le cas, l'objet il part, et il va aussi loin qu'on veut, il va à l'infini. Du coup, la vitesse qui est ici, elle porte un nom, ça s'appelle la vitesse de libération.
Donc c'est la vitesse avec laquelle il faut lancer le corps pour qu'il s'échappe finalement de l'attraction du corps qui est à proximité. Et vraiment pour terminer, je veux faire une remarque, une confusion qui est possible avec une autre vitesse qui est importante. La situation dans laquelle il y a une situation particulière dans laquelle l'ellipse qui est ici est un cercle. Quand on a une orbite qui est circulaire. Si on a une orbite circulaire, ça fait quelque chose qui est comme ça ici. Super, j'ai tracé un cercle au tableau. Orbite circulaire, ça veut dire que l'excentricité E est nulle. R est constant, donc E égale 0. E égale 0 là-dedans, ça vous dit que V0, pour une trajectoire circulaire, est égal à racine de Gm sur R min. Voilà. Donc si vous lancez un corps avec cette vitesse-là, qui est d'ailleurs inférieure à celle-ci, hein, donc c'est inférieur à la vitesse limite, donc ça reste effectivement en orbite autour du corps, et ça, c'est la vitesse qui permet d'obtenir une trajectoire circulaire. Je le mentionne parce qu'on entend parfois dire, voilà, pour mettre un satellite en orbite autour de la Terre, il faut arracher le satellite à l'attraction de la Terre. Ce n'est pas le cas du tout. Pour arracher un satellite à l'attraction de la Terre, il faut l'envoyer à une vitesse qui est donnée par ça. Typiquement pour Hermine ici, qui est le rayon terrestre, ça donne une vitesse qui est de l'ordre de 11 km par seconde. C'est énorme, hein, 11 km par seconde. Si vous l'envoyez à une vitesse plus faible, en particulier à cette vitesse-là, qui le met en orbite circulaire autour de la Terre, il n'a pas échappé du tout à l'attraction de la Terre, au contraire, il est retenu par la Terre, et c'est ça qui décrit une orbite circulaire. Donc il faut bien distinguer ici cette vitesse circulaire, cette vitesse sur une orbite circulaire, et puis cette vitesse de libération. Là, elles ont des formes assez similaires, mais celle-là est plus grande que celle-ci d'un facteur racine de 2, finalement. Donc ça, si ça vous amuse, vous pouvez effectivement faire l'application numérique de ça, prendre la valeur de G dans une table, la valeur de la masse de la Terre ici, Hermine, le rayon de la Terre, par exemple, et puis ça vous dira à quelle vitesse il faut lancer un truc depuis la Terre pour qu'effectivement il arrive à s'échapper de son attraction.